Ceci est un message du ministère de la Compréhension et de l'Entendement. Bonjour, bonjour. Hola. Ça va. Bonjour. Bonjour. Guten Tag. Hello. Bonjour. Il s'agit aujourd'hui de démontrer la bêtise de certains et l'esprit panurgique de certains autres. Fustigeons ensemble l'instinct grégaire qui sévit sur la toile à l'heure actuelle. Et comme Gérard, sommes-nous revenus au temps des pharaons ? S'il est vrai que là-dessus, les avis divergent, et divergent, c'est énorme, merci Pierre. Nous pouvons que constater avec effroi, bien que la météo soit clémente, une montée en puissance du suivisme contemporain. Alors sommes-nous réellement revenus au temps des dictateurs ? Un gros germe collé au calbut, ou un proverbe tiré du Talmud, illustre à merveille ce propos. Et à l'instar d'un film érotique, rien ne vaut une bonne image, merci Émile, que les explications technico-sexuo-tactico-littéraires. La brebis suit la brebis. Il est plus facile de suivre que de guider. Rien n'est si bon que quelques abus n'en suivent. Le blâme suit l'erreur. Qui suit sa tête, suit la tête d'un âne. Tant de citations qui ne font pas de nous des héros, ou plus que 6 stations pour arriver au Trocadéro. Le choix s'avère difficile, et 5 vers ça fait déjà beaucoup. Laissez les nominations au télécrochet du capitaine. Laissez tomber les vers d'une traite, moi de con je te remercierai. Laissez les glaçons à Hélène. Laissez les culs secs aux arrière-trains humides. Alors ne faites plus ça. Désertez, panurgie. Vous avez 24 heures. Si, gros, un dof dans les yeux.